la chope. Eh, qui est-ce qu'ils sont là, là? S'ils vont pas tirer vers les pompiers. Là, hein? Tire partout, tire partout. Oui, oui. Là, les manifestations, ils sont là. Les gaz de la pompier là-bas. Attention, attention. Bon, on va savoir la vérité. La vérité de ce qui se passe. Oh, c'est pas BFM, c'est pas... C'est pas je sais pas qui là. Ah ouais. Ça va. Ça va ramène jusqu'au dents, il y a même un hélico, il y a tout là. 5 étoiles là, j'étais à 5 étoiles. Bientôt il ramène Arnel. Cowboy. C'est normal, il graille les gens, normal. Ouais, bah ouais, c'est la pause. C'est la pause syndicale. Bien. Ça fait la petite pause. Ça boit la petite binge. Vous êtes des citoyens, les gars, comme nous. Et voilà. Voilà, jusque là. Ok. C'est ouf cette ambiance quand même. Les mecs sont en train de grailler normal. Ouais. Il est là le frérot, il est là. Ah dada, il disait faut pas qu'on se sépare. Ah les codes. On voit les épaisses fumées noires. Là on est en train de retourner. Ah ouais, là-bas c'est jaune de monde. C'est pas malade, ils rebellent pas par les temps. C'est trop près là. Ah, ça picote un peu, ça débouche le nez, c'est bien pour la respiration. Ah bon? Ouais, ça débouche. Là je sais ce que je vais faire. Allez, allez, pourquoi pas, soyons fous. Merci. On va la bouffer la gueule, le gars. Ça se trouve, ça fait une ration chimique bénéfique pour la lacrymo. On va savoir. Allez, mangeons des chocolats. Voilà. Ça pue, messire. Ça pue, messire, ça pue. Pourquoi t'es là? Qu'est-ce qu'on raconte les Rasta? Qu'est-ce qu'on raconte les Rasta? Les Rasta. Ça va faire un peu de bruit dans le live. On excuse. Et voilà l'arc de triomphe. Voilà. Et être obligé de mettre le masque. Attends, dada.
Je mets mon masque. Ah, j'ai enfilé mon masque. Ça pue, hein, messieurs. Messieurs, ça pue. Aïe, aïe, aïe. Déjà. Les gars. On a été séparés à cause des grenades. J'ai reçu une grenade quasi qui est presque passée, qui m'est presque passée entre les jambes, qui a atterri. Genre entre mes jambes, j'ai été obligé de courir. Je crois que j'ai battu Usain Bolt, mon frère. Sérieux, j'étais obligé de courir pour avant qu'elle explose. Ah ouais. Tu vois? J'ai vu en direct, moi j'étais. On a été coupé, on a été coupé en deux. Donc il y a Coco et Anto d'un côté et nous on est de l'autre. Nous on s'est rabattu vers Porte Maillot parce que tu sais j'ai un peu les poumons pris, j'ai du mal à respirer et en plus je suis venu équipé en mode reporter, pas en mode guerrier. Donc voilà. Voilà. Je suis venu me reposer un petit peu, après on remonte. Et ne vous inquiétez pas pour Coco et Anto, ça va le faire quoi. On saura se retrouver, on va s'envoyer des textos, ça vous inquiétez pas. On va se rejoindre, voilà, on est deux groupes de deux quoi. Donc Coco n'est pas tout seul, Anto n'est pas tout seul, Robert Nesta Mérine n'est pas tout seul, je ne suis pas tout seul. One love, à tout à l'heure. Voilà.